Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans un journal en version française sur TV Plus Madagascar. Je vous invite à suivre notre édition jusqu'à son terme, mais avant cela, je vous propose de suivre nos titres. 200 communes sur les 1695 n'ont pas encore de candidats pour les élections communales et municipales du 11 décembre 2024, à J-1 de la clôture du dépôt de candidatures selon les chiffres fournis par la CENI, ou Commission électorale nationale indépendante vers 11h. Le dépôt de candidature prendra fin demain 26 septembre 2024 à 17h sur tout le territoire malagasy. Alors que son mandat de 2 ans à la tête du SGM ou syndicat des greffiers de Madagascar arrive bientôt à son terme, le président du SGM se désole qu'aucune des revendications faites par cette dernière n'ait encore été satisfaite. Plus de 400 000 ménages se consacrent actuellement à l'agriculture familiale dans 12 régions de Madagascar. Les appuis techniques fournis par l'association permettent aux paysans d'améliorer non seulement la qualité de leurs produits, mais surtout leur quantité dans la mesure où les techniques qui leur sont transmises sont adaptées au changement climatique. Et à l'étranger, au Moyen-Orient, le Hezbollah libanais a annoncé mercredi avoir tiré pour la première fois depuis près d'un an de violence un missile balistique sur Israël, affirmant avoir visé le quartier général du Mossad, les services de renseignement extérieur israéliens, près de Tel Aviv. À la une de l'actualité, 200 communes sur les 1695 n'ont pas encore de candidat pour les élections communales et municipales du 11 décembre 2024 à J-1 de la clôture du dépôt de candidature, selon les chiffres fournis par la CENI ou Commission électorale nationale indépendante vers 11h. Le dépôt de candidature prendra fin demain 26 septembre 2024 à 17h sur tout le territoire malagasy. Antananarivo, où une seule candidature a été enregistrée pour la course à la magistrature de la capitale de Madagascar au moment où nous avons écrit cet article. C'est un reportage signé Fethia Vanadoni et Yves Rassata. 10h30, à l'OVEC de Tanaville, la salle d'enregistrement des candidatures pour participer aux élections communales et municipales est vide à J-1 de la date limite du dépôt de candidature. Les responsables sur place ont confirmé qu'aucun candidat ne s'était présenté à Issouch jusqu'au moment où on a écrit cet article. Un seul candidat, dont le dossier a été refusé, est enregistré au niveau de l'OVEC selon ce démembrement de la CENI. Par contre, plusieurs mandataires viennent régulièrement au niveau de l'OVEC pour s'informer des dossiers requis pour être un candidat éligible au communal et municipal selon les informations. Ce faible taux d'enregistrement peut s'expliquer par la préparation de dernière minute des dossiers, nous confie encore l'OVEC de Tanaville. En tout cas, ils s'attendent à une forte affluence demain. Les candidats préfèrent attendre le dernier jour pour déposer leur dossier. Les membres de l'OVEC ont souligné que les derniers candidats qui déposent leur dossier ce jour bénéficieront encore de 24 heures pour compléter leur dossier s'il leur manque des pièces. Par contre, les dernières dépositaires de demain n'auront pas cette même chance. Dans tout le pays, 200 communes n'ont pas encore de candidats pour les prochaines élections communales et municipales du 11 décembre 2024, selon la CENI, à 11h ce matin. Ces chiffres pourraient encore changer car le dépôt de candidature ne sera clôturé qu'à 17h demain. 26 septembre 2024. La CENI est confiante qu'il y aura affluence très bientôt pour le dépôt de candidature. D'ailleurs, d'après le rapport de la CENI, les 120 districts de Madagascar ont chacun leur candidat pour les élections communales et municipales. Swavan Jemartaf, rapporteur général de la CENI, a expliqué que la CENI procède au constat de carence dans le cas où une commune n'a pas de candidat. Une élection partielle sur proposition de la CENI devrait se tenir dans ces communes.
Alors que son mandat de 2 ans à la tête du SGM, ou syndicat des greffiers de Madagascar, arrive bientôt à son terme, le président du SGM se désole qu'aucune des revendications faites par cette dernière n'ait encore été satisfaite. De nombreuses rencontres ont eu lieu, plusieurs requêtes ont été adressées aux responsables hiérarchiques, mais toujours aucun résultat jusqu'à présent, poursuit le président du SGM. Face à cette situation, il en appelle à tous les greffiers de Madagascar à assister à l'Assemblée générale qui se tiendra ce vendredi 27 septembre au tribunal d'Anousse. Cette Assemblée générale sera également l'occasion de présenter le rapport des démarches effectuées au cours de ces 2 dernières années. Reportage de Gracia Angesituirna et de Fecha Angiamananzar. Aucune des promesses faites au SGM, au syndicat des greffiers de Madagascar, concernant leurs revendications n'a été tenue. Selon le président du SGM, en 2 ans de gestion, de nombreuses démarches et revendications, ainsi que des demandes de rencontres avec les plus hautes autorités, dont le président de la République lui-même, ont été effectuées, mais elles n'ont eu aucune suite jusqu'à présent, explique le président du SGM. Parmi les demandes adressées au ministère de la Justice figure la considération des diplômes, l'arrêt du recrutement de travailleurs non rémunérés sans passer par un concours, les formations et la répartition des tâches selon les informations. Il y avait aussi la demande d'obtention de l'autorisation de poursuite qui a déjà été refusée par le ministère de la Justice selon les mêmes explications. Face à cette situation, une assemblée générale a été programmée pour ce vendredi 27 septembre au tribunal d'Anousse. Le président du syndicat des greffiers de Madagascar invite tous les greffiers de tout Madagascar à y assister. Plusieurs points seront à l'ordre du jour, dont le bilan des démarches accomplies durant ces 2 dernières années. Cette assemblée générale sera également occasion pour les greffiers de discuter des décisions qu'ils vont prendre concernant des revendications non satisfaites, selon toujours le président du syndicat des greffiers de Madagascar. Les élections municipales ont été au centre de la discussion entre la représentante de l'Union africaine et l'ancien président Macky Vallemane lors de la rencontre de courtoisie entre les deux personnalités, selon la déclaration de l'Union africaine. Après la rencontre, l'Union africaine a précisé qu'elle n'a pas pour mandat de s'exprimer au nom d'autres organisations régionales. L'Union africaine respecte la souveraineté des États membres et prône la non-ingérence dans les affaires intérieures des États membres. L'Union africaine décline toute responsabilité sur des propos qui ont pu être faussement diffusés sur certains réseaux sociaux. Sora Barton. D'après ce communiqué, la rencontre de courtoisie entre la représentante de l'Union africaine et l'ancien président Macky Vallemane a eu lieu au siège de l'Union africaine à Nkourondjan hier. Après cette rencontre, Macky Vallemane a publié un post sur les réseaux sociaux indiquant que le protocole de la SADC n'a pas été respecté par l'État malagasy par rapport à la candidature de Macky Vallemane qui a été rejetée d'après cette publication. Après que Macky Vallemane a publié son post, l'Union africaine à son tour a également publié un communiqué pour éclaircir la situation. L'Union africaine avait soutenu les 2 dernières élections qui s'étaient déroulées à Madagascar, témoignant ainsi son engagement en faveur de la stabilité nationale. L'Union africaine a précisé qu'elle n'a pas pour mandat de s'exprimer au nom d'autres organisations régionales concernant l'organisation des élections municipales. Respectant la souveraineté de chaque pays membre, l'Union africaine suit une politique de non-ingérence dans les affaires internes des États membres. Fidèle à sa neutralité, l'Union africaine ne formule aucun avis politique à l'occasion d'une visite de courtoisie. Dans ce communiqué, l'Union africaine décline toute responsabilité concernant les propos qui auraient pu être faussement diffusés sur les réseaux sociaux. Et je vous disais en titre, plus de 400 000 ménages se consacrent actuellement à l'agriculture familiale dans 12 régions de Madagascar. Les appuis techniques fournis par l'association permettent aux paysans d'améliorer non seulement la qualité de leurs produits, mais surtout leur quantité dans la mesure où les techniques qui leur sont transmises sont adaptées au changement climatique. En pratiquant l'agriculture familiale, les cultivateurs contribuent à la promotion de l'agroécologie. Mamtina Adebloula, Omega Ranevton. En 5 ans, ce paysan a vu se multiplier par 2 la production de sa ferme. Il a actuellement en sa possession 7 vaches laitières. Si à ses débuts,
Il n'en avait que trois. Les appuis techniques qu'il a obtenus à travers le FIFATA ou Association paysanne pour la promotion de l'agriculture familiale lui ont permis une amélioration de ses performances en termes de productivité. En effet, bien que les techniques qui lui ont été transmises n'aient rien à voir avec celles enseignées à travers les formations universitaires qu'il a suivies, elles lui ont beaucoup apporté dans le développement de ses activités. D'après les précisions, les techniques que dispense la FIFATA à ses membres sont innovatrices et répondent aux défis posés par le changement climatique. C'est une des solutions apportées par l'association afin de généraliser l'agriculture familiale et les résultats obtenus jusqu'ici. En 35 ans, de plus en plus de paysans se sont tournés vers l'agriculture familiale, selon le président du FIFATA. Actuellement, l'association compte plus de 400 000 membres répartis dans 12 régions. Il existe également 7600 organisations paysannes membres. Aussi, dans le cadre de ses 35 ans d'existence, la FIFATA s'est donnée pour mission de promouvoir l'agroécologie, ceci afin de participer activement à la protection de l'environnement et d'adapter les méthodes de culture au changement climatique. Une serre de production de semences de patates biologiques a donc été mise en place pour concrétiser cette volonté de l'association de promouvoir l'agroécologie d'après les explications. Son inauguration se tiendra ce jeudi à Ntirabé dans le cadre de la célébration des 35 ans du FIFATA. Pour cette première journée, une table ronde du divers thèmes a été organisée. Au Moyen-Orient, le Hezbollah libanais a annoncé mercredi avoir tiré pour la première fois depuis près d'un an de violence un missile balistique sur Israël, affirmant avoir visé le quartier général du Mossad, les services de renseignement extérieur israéliens, près de Tel Aviv. Reportage de France 24. Des sirènes résonnent à Tel Aviv, la capitale économique d'Israël, à 200 km de la frontière libanaise. Un projectile est intercepté par le système de défense aérienne Fronde de David. Selon l'armée, il s'agit du premier missile jamais lancé par le Hezbollah vers le centre d'Israël. Il n'y a aucun dégât ni victime et l'événement ne provoquera aucun changement dans les instructions du commandement du front intérieur. Le Hezbollah a confirmé avoir tiré un missile balistique sol-sol vers le siège du Mossad qu'il accuse d'avoir fomenté contre lui les attaques de ces derniers jours. La résistance islamique a lancé un missile balistique Qader 1 à 6h30 mercredi 25 septembre 2024 visant le siège du Mossad dans la banlieue de Tel Aviv. Quelques heures avant, l'armée israélienne publiait ces images d'une frappe à Beyrouth qui a tué le commandant des forces de roquettes du Hezbollah, Ibrahim Kobeissi. Kobeissi était un personnage clé dans l'exploitation de roquettes, y compris de roquettes de précision. Il était responsable d'une série d'attaques sur le territoire de l'État d'Israël. La campagne de bombardement israélien, particulièrement meurtrière, fait craindre une guerre totale. De nombreux civils libanais fuient vers la capitale Beyrouth ou vers la frontière syrienne, ce qui provoque d'importants embouteillages. À New York, où a lieu l'Assemblée générale de l'ONU, l'ambassadeur israélien a toutefois semblé repousser la perspective d'une opération terrestre transfrontalière. Notre intention n'est pas de lancer une quelconque invasion terrestre, où que ce soit. Je ne veux pas envoyer mon fils et nous ne voulons pas envoyer nos fils se battre dans un pays étranger. Mais nous sommes déterminés à protéger les civils d'Israël. L'armée israélienne affirme qu'elle n'a pas de plans immédiats pour une invasion au sol, mais qu'elle s'y prépare. Elle a déplacé des milliers de soldats qui servaient à Gaza vers la frontière nord. Point final à cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite au programme sur TV Plus Madagascar. Au revoir.